J'étais dans l'usine comme un chien qu'on a enfermé à l'âge de son exubérance. La faim sexuelle ne tient pas qu'aux entrailles, elle tient tout le corps. J'aurais voulu être libre, courir, jusqu'à ce que j'eusse trouvé la femme que j'aimerais. Mon travail ne m'intéressait pas. Il n'était pas l'essentiel, je n'arrivais pas à me tromper avec, à tromper l'instinct. Ces années de 1919-1920, les années d'espérance et d'espoir exagérés m'avaient marqué. J'avais trop rêvé à la société future. Je ne savais plus vivre dans celle-ci. Les conseils de mon ami Vacheron, que j'avais suivi, changer de chambre, étudier la géométrie, faire de la culture physique. Rester sans résultat, c'était l'hiver, la pluie, le brouillard, la saison déprimante. Périodiquement, j'avais le cafard. Je me cramponnais à l'étude de la géométrie, à la lecture d'Épictète, mais il y avait toujours un moment où, las de faire front sans résultat, j'aurais voulu me délivrer de cette vie absurde. À Pâques, avec un copain, j'avais fait une randonnée au bon soleil d'avril. Marcher pieds nus, gueuler, chanter à tue-tête, gueulard et torse nu, toucher la mousse et l'eau des ruisseaux, vu les arbres en fleurs et les nuages. Une ivresse de 2 jours. J'avais même croisé Henriette en promenade avec ses sœurs, revu le tas de bois sous lequel, sous la pluie, j'avais respiré sa chevelure mouillée. J'étais guéri, on ne m'y reprendrait plus. Je deviendrais fort, je serais terrassier, docker, je courrais le monde, les épaules larges. La vie m'apparaissait pleine de possibilités.
J'avais 6 kilomètres à faire. Du village à la maison, et quand j'arrivais, c'était le bout du monde. À Pâques, j'arrivais juste au crépuscule. La maison était sans lumière, les volets fermés comme je les avais laissés le matin. J'allumais la lampe à pétrole et dans la cheminée un grand feu, avant d'éplucher les légumes pour la soupe du soir et le repas à emporter au chantier. Après la soupe, la tristesse s'en allait. Pas toujours. Oui, si je trouvais une lettre glissée sous la porte. Assis devant le feu, j'hésitais entre le recours à la prière et le secours du vin. Le litre de gros d'Algérie, oui. Un litre, c'était assez pour me tourner la tête. Mais avant de boire, j'aurais pu facilement dire en traçant un signe de croix, « Mon Dieu, je suis poussière. Il n'est pas nécessaire que la poussière se tourmente, la vie passera. » Par raison, je préférais boire. J'achevais le vin. Lucide et titubant, j'avais dans les membres le bonheur de la flamme. Tout était plus beau. Le feu, la lampe, les objets. Quand je poussais la porte, j'étais sûr que la terre tournait à voir les étoiles dans un ciel dansant et bousculé, luire avec l'intensité du premier jour de la création. Si je n'arrivais pas à vivre suffisamment pendant la journée, je pouvais vivre pendant le sommeil. Le vin me repeuplait de rêves, de souvenirs très anciens, de présence. Et puis un jour, le vin n'eut plus d'effet. Du matin au soir, je demeurais dans un état de morne indifférence, qui durait, qui ne voulait plus me lâcher. Le désespoir m'avait pétrifié, je me soufflais dessus pour avancer. C'était long. Ça durait comme un panari. J'avais voulu devenir terrassier autrefois pour être fort et courir le monde. Je l'étais devenu tout de bon et une fois pour toutes en tournant en rond. Mais le métier qui m'avait toujours donné la plénitude m'abrutissait maintenant autant que l'ennui d'usine. J'en avais fait des efforts et de toutes sortes pour trouver la vie belle, mais maintenant, je devais m'avouer vaincu. J'étais triste du matin au soir. J'étais trop triste. C'était anormal. Et je me disais, mais bon Dieu, qu'est-ce que tu as ? Plus j'étais fatigué, plus j'attendais de l'extraordinaire. Un moment imprévu, une surprise. Il m'apparaissait que l'ennui m'avait partout rejoint, dans des conditions diverses d'existence, dans les usines ou sur les chantiers, avec ou sans Anna. Et que partout où j'irais, ce n'était pas la peine de fuir, il me suivrait, dans l'activité au travail ou dans le loisir forcé. Il m'apparaissait qu'il y avait une autre vie que cette tension et ce mécontentement où je vivais souvent, en étant plus heureux aussi souvent que beaucoup d'hommes. Je cherchais à gagner les régions paisibles des bonnes ménagères, conquises par la poésie du ménage. Je suis devenu mon médecin traitant.
direct à la maison, sans passer par le bureau de poste, que j'avais eu tendance à considérer comme une boîte à miracles, dont j'attendais chaque soir de l'extraordinaire, et qui tous les 8 jours seulement me délivrait une lettre d'Anna. Je rentrais tôt, sans m'attarder, malgré l'horreur du vide. Le matin, je veillais à laisser la maison nette, dans un ordre rassurant. Je ne me heurtais plus à la torpeur de mon désordre à la maison. J'étais tendre avec la lampe, je la nettoyais, j'essuyais son verre pour qu'elle soit bien elle-même. J'avais fait briller les cuivres, et j'étais tendre avec mon visage, je me rasais tous les jours. Le bol, la tasse, l'assiette, les couteaux étaient des objets amicaux. J'étais un homme du matin. J'avais vu les étoiles disparaître, je les savais cachées dans l'azur. Le grand mouvement de la nuit me restait présent. J'avais fait ce matin-là tout ce que je voulais faire la veille. C'est une forme de contentement faire ce qu'on décide. Mais c'est de tenir l'aiguille qui m'avait le plus influencé. Je cousais un gros point en faisant de mon mieux. L'aiguille ne me demandait qu'un effort léger des doigts. Pris dans cette activité calme, je m'étais réveillé en train de vivre le temps comme le vivent les femmes dans leur monde intérieur quand elles sont seules et qu'elles cousent. Et je m'étais posé cette question absurde, mais qu'est-ce qu'elle peut bien chercher, l'âme humaine, l'âme féminine? Et je croyais presque au bon Dieu parce que depuis 4 heures du matin, j'avais recousu mes pantalons. Quand je partais au chantier, la journée déjà m'avait appartenu. Je voulais aimer la réalité, n'y pas couper. Il n'y a pas d'autre monde. Ma réalité, c'était le travail, j'acceptais. Travailler pour la société, non pour un parasite quelconque, ça m'aurait plu. En attendant, je ne voulais pas faire du travail une malédiction. Je préférais oublier que je gagnais peu et combien la société est mal faite. Le gars pour qui je travaillais, je préfère aussi penser qu'il mourrait comme moi. Et que l'homme, avec tous ses faux billets et ses actes notariés, ne possède en définitive que sa peau et ses sensations fugitives, du vide. Et le travail, en fin de compte, dans une durée raisonnable, ça ne m'était pas désagréable. Celui qui avait dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front !» n'avait pas tout dit. On pouvait relever le défi et faire du travail une joie. Ma mère m'a eu à 47 ans. Je l'ai toujours connue comme une mère, comme une femme dont la beauté ne compte pas, mais seulement la bonté, la chaleur, la main à tartine. J'étais son 13e. Thank you.
jamais d'une femme qui avait des enfants, madame. Mais la mère. Toutes les mères se ressemblaient, c'était des femmes arides et à larmes. Leurs mains tannées sentaient l'ail. La mienne avait beaucoup pleuré, elle avait des lacs de larmes derrière ses lunettes. Mais le reste du visage, du front à la bouche, continuait de sourire. La voix aussi. Les mères vivaient toutes dans le regret des enfants morts. La mienne en avait 5 à pleurer, grands et petits que je n'avais pas connus. Elle n'allait pas à la messe le dimanche, le temps lui manquait, mais elle était bien persuadée que le bon Dieu existait. Quand nous allions au bois, en passant devant le grand Christ de la croix de mission, elle se signait en silence. Moi, je l'imitais. Avec elle, j'étais toujours dans le plein air. Pendant qu'elle tapait de la serpe, souvent, je m'endormais et je me réveillais effrayé sous de hautes voûtes vertes. Ça sentait bon, le terreau de feuilles, le muguet ou la fraise écrasée. Et moi aussi, je croyais au bon Dieu. Et je m'absorbais à évaluer pas à pas la distance qui séparait la terre du paradis. 2 fois la hauteur d'un chêne ou de notre clocher me semblait toucher au domicile invisible des anges. Mais je n'en parlais pas. Pour ma mère, c'était peut-être un peu plus haut. Dans l'effort, je ne l'ai jamais vu maussade ou hargneuse. Quand elle descendait du bois, une brouette bien chargée, la première femme qu'elle croisait à l'orée du village lui disait « Mère Navelle, vous êtes un vrai cheval !» Pendant qu'elle essuyait ses lunettes, qu'elle s'épongeait, elle était radieuse. Elle m'apparaissait toute différente, doucereuse quand elle croisait une vieille demoiselle de la bourgeoisie de province, du genre très bien. Elle ne sentait pas cette demoiselle en grand deuil, aux yeux tristes, au parler lent et doux, de la même part qu'elle-même et ses voisines. C'était du carreau de vitrail qui passait. D'instinct, ma mère aimait les riches, leur distinction, comme du linge bien blanc après le passage au bleu et une bonne lessive. Mon père, lui, était un résigné. L'usine lui semblait manquer de justice avec les vieux travailleurs. Ses chefs l'avaient irrité, un peu d'amertume, aucune révolte. Lui n'avait pas eu besoin de bon Dieu pour affermir ses pas. Dans les moments de doute ou de fatigue, boire un petit peu plus ce jour-là lui avait suffi. Comme j'aurais aimé ressembler à mon père. Et maintenant, démarre. On est dans la même journée qu'hier et que demain. Je regardais, en leur disant bonjour d'un signe, les gars de l'équipe des Calibres, tous de fins ouvriers. Je me voyais derrière cette cage grillagée plus tard, leur ressemblant comme ils se ressemblaient, grands et petits. Tous les visages étaient intelligents, mais les corps ne vivaient pas, empâtés dans l'inertie de leur travail. Ils avaient l'air bien portants, mais lymphatiques. Les gros avaient du ventre, les maigres, dans les joues, la même graisse blanche. Dans chacun de leurs gestes, car depuis longtemps, leur travail n'exigeait plus d'aucune tension, il y avait de l'ennui, mais un ennui accepté, digéré. Aucun d'eux n'aurait voulu devenir terrassier. Thank you.
Hé, Jules Georges, tu te rappelles? Une fois, devant un homme de mon âge, j'avais dit ça. Paul, c'est toi, Jules Georges, tu te rappelles? Entre nous, il y avait l'école, des lions, des toupies, des billes. C'était mon meilleur ami. J'étais maintenant un étranger devant une grande personne. Un homme marié, mouleur comme son père. Plus rien entre nous que des nouvelles de nos familles. Beaucoup de morts de son côté, plus la sienne, celle de l'enfant dans la nuit. J'étais tombé de sa poche comme un vieux journal, nous n'avions plus rien à nous dire. À Vacheron non plus, je n'arrivais pas à me livrer. Dire ce qui m'arrivait, c'était trop compliqué, trop confus à moi-même. Au pire, j'aurais pu dire, la vie est trop sale, j'ai plus envie de vivre. Je l'admirais, d'être toujours égal à lui-même, moralement solide, peu bavard, plutôt grave que gay. J'aurais bien aimé lui ressembler. Je m'en voulais que ça n'aille pas, je me méprisais. Vacheron, lui, ne sortait guère le soir que pour se rendre au cours professionnel, dessin, coupe d'outils. Dans le train, il étudiait la trigonométrie. Il faut être un bon professionnel dans l'atelier si tu veux pouvoir défendre ta dignité, disait-il. À sa manière, c'était un rêveur. Ce fils de mineur, ce militant des grèves de 1920, ne croyait plus à la révolution, au communisme libertaire, mais seulement à l'éducation. Il voulait maintenant faire son chemin et arriver à une situation. C'était le meilleur tourneur outilleur de l'atelier. Quand un autre professionnel était dans l'embarras, pour un calcul ou une opération à faire, c'est à Vacheron qu'il s'adressait. Et il voulait faire son chemin, mais n'aurait pas accepté, même avec avantage personnel, la place d'un démonstrateur ou d'un chronométreur, obligé à une certaine dureté avec le matériel ouvrier. Dans le train, Vacheron m'enseignait la trigonométrie. J'avais un petit traité et des cahiers où il me posait des problèmes. Le matin, je lui montrais mes cahiers. Il faut que la douleur d'usine profite à quelqu'un qu'on aime. La vie est inacceptable si l'on ne souffre que pour soi-même. On peut accepter sa vie sans la définir, mais pas tout seul. C'est trop pénible. Il faut une mère, une femme, des enfants, être dans des liens, cesser de réfléchir. La solitude sentimentale ne convient qu'à l'homme usé. Aimer une femme, coucher avec, c'est toujours important, même dans l'habitude et la banalité. Vacheron s'était épris d'une prostituée qu'il avait sortie de son bordel pour vivre en bon compagnon avec elle une dizaine d'années plus tôt. C'était peut-être une tentative de sauvetage. Ça n'avait pas réussi, elle repartait. Rien ne perçait de ses déceptions, et dans le train, il lisait Épictète. Peut-être pour s'affermir davantage. Je ne l'avais vu qu'une fois venir l'attendre le soir à l'arrivée du train de Vénissieux. Deux dos, un parapluie. Lui non plus ne pouvait pas vivre comme un pauvre célibataire. Thank you.
quitter l'outillage. Une chance exceptionnelle se présentait à lui. On lui proposait d'aller au Caire, représenter la maison Berlier dans un garage. Auparavant, il devait passer par tous les services de l'usine. Fonderie, usinage, réparation, essayage sur la piste, connaître tous les détails de la production et parfaitement la conduite de la voiture. Ainsi, il avançait dans la route qu'il s'était tracée. J'étais content pour lui. C'était une chance qu'il méritait. J'étais décidé à partir, à quitter l'usine de Bénissieux, Lyon. Mais comment m'expliquer avec Bachelot ? Donner un tour raisonnable à mes projets ? En partant, je quittais la possibilité de devenir un bon outilleur. Il me le dit. Il me conseilla encore, si je n'avais pas le goût de la mécanique, d'étudier le dessin, la peinture, et de m'y appliquer comme lui dans son métier. Je partais pour Paris. J'étais parti. Vacheron essayait sur la piste une voiture sans carrosserie, chargée de grumes de fond. La piste était mouillée, la voiture capota. Écrasé par les grumes, il mourut sur le coup. C'est ce que m'écrivait 8 jours plus tard un copain de l'atelier. Pour la première fois dans le hall de l'usine Citroën de Saint-Ouen. En pénétrant dans le boucan formidable, je me disais, mon vieux, tu vas souffrir, est-ce que tu pourras tenir dans ce vacarme? On parvenait à une vitesse de gestes étonnante. Ouvrir un tiroir, l'explorer, en sortir un outil, repousser le tiroir, ne prenait qu'un instant. On était déjà occupé à la perceuse. On agissait comme dans ces films fous, où les images se succèdent à une vitesse extrême. Le cœur essayait de s'accorder avec la vitesse des claquements de courroies. La nuit, le travail était moins fébrile. Dans de grands carrés sombres, beaucoup de machines sommeillaient. Les grosses presses, souvent, travaillaient au ralenti. Les chalumeaux crépitaient dans le hall en jetant de grands éclairs bleus. C'était beau la nuit, l'éclairage. Des parties d'ombre, des lumières isolées, un homme seul à sa machine. La vie devenait plus lente. Les compagnons sympathisaient davantage, se voyaient. Nous redevenions là des êtres humains. Le hall, malgré ses murs, malgré ses vitres, communiquait avec la nuit, le grand repos de la terre.
Sur les 2 heures du matin, mes forces déclinaient. Pompé, un brin hagard, tandis que les équipes de relève arrivaient, voix neuve, joues colorées par l'air du matin, je serrais les mains comme en rêve. Quand je poussais la porte de la chambre, l'amour, la vraie vie commençait. Celle où je trouvais des raisons de supporter l'usine. Anna dormait encore, elle se levait pour m'ouvrir. En l'embrassant, je dormais debout, la tête lourde, la nuque douloureuse. Anna m'enlaçait. Par le ventre, la poitrine, les bras, la chaleur douce d'Anna m'envahissait. J'étais pendant un instant dans un oubli profond. Comme un blessé qu'on porte et qui s'abandonne au mouvement de la nacelle du brancard. J'ouvrais les yeux brusquement, comme si j'avais poussé 2 volets d'une chambre sombre pour y faire pénétrer la lumière du matin. Et je voyais le tendre et beau visage d'Anna me sourire, tandis que je respirais son odeur aussi profondément que si je m'étais promené à la belle saison pour la première fois dans des prairies de montagne. Perceptible, qui me rappelait la saveur des dragées. Je n'aimais pas seulement la forme d'Anna, plus belle encore, les yeux fermés quand mes mains seules en suivaient les contours. Je n'aimais pas seulement la pulpe de sa chair que mes doigts frôlaient ou pétrissaient doucement. Pas seulement le velours, la soie, le long de mon ventre, de mes jambes, de ma poitrine. Pas seulement les grandes surfaces maritimes. Mais aussi sa chaleur douce, l'odeur de sa peau flamande. Son odeur était belle. Saisonnier, ouvrier agricole ou terrassier. Pour mieux gagner ma vie d'abord, j'aurai de nouvelles charges. Je ne serai plus aussi libre qu'avant. Les charges de mon métier, si je redevenais outilleur, les tâches de mon métier,
me permettrait d'utiliser mes facultés de façon plus heureuse, plus absorbante. Je cherchais la difficulté. Avant mon embauche, mes certificats ayant paru normaux, je devais faire un essai. Je me rendis vite compte que j'avais perdu en habileté. Un gars de mon âge vint me voir à l'étau. Il aurait pu m'ignorer, rester plongé dans son travail. Il se dérangeait pour s'assurer que j'avais bien tout l'outillage nécessaire. Et il revint pendant mon essai, voir si mon essayage se passait bien. Rien que ça d'abord. Je me rendais compte que depuis 1936, la vie à l'intérieur des usines avait changé, s'était améliorée. C'était comme si tout ceux de l'usine m'accueillaient en me disant « tu es des nôtres ». J'étais de nouveau dans le monde du métal. Beaucoup de fumée, peu d'air, et cette impression pénible aux gens habitués à vivre au grand air. Les poumons souffrent, le regard cherche du ciel et se cogne aux carreaux bleus, des toitures en lame de scie. Mais dès qu'on a touché la main d'un copain, dès qu'un étranger se manifeste comme homme, on se dit « je peux être comme eux, comme lui, comme tous ceux qui sont aux machines ou à l'étau ». Bon, ça n'empêchait pas. La journée terminée, l'excitation tombée, j'étais plus fatigué que d'habitude. Je gagnais mieux ma vie à Paris qu'ailleurs. Gagner sa vie, c'est important. Grâce à la loi des 40 heures, obtenue grâce à l'union syndicale, la condition ouvrière s'était améliorée, elle était devenue supportable. Malgré les menaces de guerre, Paris, depuis 1936, faisait davantage d'enfants. Les ouvriers avaient confiance dans l'avenir. La vie, le monde ne serait pas toujours absurde. La jeunesse des usines, plus belle qu'autrefois, plus intelligente, plus vivante, se délivrait de la déchéance physique du travail claustré par les jeux de plein air, le camping, grâce aux 40 heures. Malgré la fatigue des fins de journée, l'usine me semblait appartenir déjà à un monde neuf, à un monde plus gai. Je pensais à la Russie, à ce grand dégel paysan. L'homme retouchait à son argile et modifiait sa stature. Elle ne gênerait pas pour marcher. Ses fils de paysans dévoraient tous les livres. Devant eux, l'avenir s'ouvrait. On les retrouvait ingénieurs, médecins, explorateurs, chefs d'industrie. De la prison de classe, qui n'est peut-être pas la seule prison de l'homme, j'avais suffisamment palpé les murs pour connaître l'absence d'issue. L'usine, un jour, serait à nous. Je me sentais relié aux hommes qui m'entouraient par une communauté d'espoir. Ils étaient sortis de leur indifférence, de leur passivité. Comme jamais, j'étais enfin parmi des semblables, des ouvriers devenus conscients. Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique. Moralement, j'étais d'accord avec ma classe.